Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti. On se retrouve pour la suite et la fin de nos aventures dans Paper Trail. J'étais coincée devant la porte de l'université, j'ai réfléchi un petit peu en off et on va pouvoir, eh ben, voir ça maintenant. Donc, on se retrouve ici. Donc, on avait dit, j'ai résetté le niveau pour vous montrer. À quoi on va s'attendre? Du coup, on avait dit on active la lumière, on avait dit on se retrouve ici avec ça qui va là, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, j'ai réfléchi et tout simplement ce que j'avais pas essayé, c'est utiliser un autre portail. Et en l'occurrence, on va utiliser notre autre portail comme ça, et du coup, ça nous permet de nous débloquer notre statue. Ce qui est exactement ce qu'on voulait. Ensuite, on va emmener Paige de ce côté-là. On va récupérer notre statue pour la mettre la plus loin possible. Voire même peut-être ouais, la pousser par là. Si je la pousse de 1 par là, le problème c'est que je suis coincée. Suis-je réellement coincé? Parce que j'aimerais bien en fait la faire descendre pour qu'on puisse y arriver. Si je vais comme ça, je peux y arriver. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux revenir? Est-ce que je vais pouvoir monter? Mais je vais pas forcément pouvoir aller jusque-là. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Pas grand-chose. C'était peut-être pas la bonne chose à faire. Si je te mets toi là et que je décale, non, il n'y a rien d'intéressant. Écoute. Je vais te laisser là, ce qui m'arrange qu'à moitié, on va dire, mais parce que j'aurais voulu pouvoir aller là. Que là, en l'état, est-ce que je vais pouvoir passer de ce côté-là, j'ai pas l'impression. Mais si je suis là, je suis... Ah là! Si, j'ai un chemin. C'est bon, j'ai un chemin. Donc je pousse ma statue pour aller là. Pour aller chercher cet origami! Et on trouve l'ours polaire! Voilà. Donc je remets la statue à un endroit où j'espère elle me cassera pas les cacahuètes. Et on reprend notre histoire de lumière. Donc du coup, on est ici. Je pense que ça, c'est pas mal. Du coup, pour avoir ça, il faut avoir ça. Je siffle un peu dans mon propre miroir, ce qui n'est pas très bon. Et juste ajuster cette chose-là. Est-ce que je peux ajuster cette chose-là? Je ne peux pas ajuster cette chose-là. Du coup. Si je fais ça, ça va forcément dans le bleu. Mais le bleu, je peux peut-être le mettre ailleurs. Oui, forcément, si je le descends pas assez. Ça descend comme ça. Alors, je sens l'arnaque quelque part. Hein. Quelque chose me dit que on n'est pas suffisamment bien
Alors, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de différent en étant tout aussi intelligent? Ici, je peux pas attraper ça. Je peux attraper ça. Non, parce que celui-là est en vis-à-vis. Donc, ça ne marche pas. Alors, ça peut peut-être marcher au poil de cul près, mais en vrai, non. Du coup. Bah, la chose qui paraît quand même le plus simple, c'est ça. Je me retrouve avec ma lumière bleue ici. Et je peux, par exemple. Non, je peux pas parce que j'ai ma statue. Et je peux plus bouger ma statue là. Je peux pas récupérer ça. Ici, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Ah, c'est pas aussi simple que ça laissait le présager, hein, on va pas se mentir. Est-ce que je peux rebouger ma statue? Ouais, je dois pouvoir pousser ma statue. Je sais pas si c'est un grand intérêt. Je dirais même ça a plutôt l'air de pas en avoir. Parce que si je la pousse là, de toute façon, je suis coincée. Donc non. Et sachant qu'en plus, si je plie ici, ça se désactive. Alors peut-être que du coup, j'aurai des choses à faire à plier. Sauf que j'ai rien d'intéressant à plier comme ça. J'aurais bien envie que ça arrive sur l'inverse, c'est-à-dire que ça arrive ici. Ici. Est-ce que je peux remonter ma statue? Ma super statue. Si je reprends ici. Est-ce que je peux... En venant... Par là, comme ça. C'était pas comme ça, c'était comme ça. Est-ce que je peux la pousser dans l'autre sens? Ah, si, normalement je peux, hein, mais... Voilà. Je peux la repousser dans ce sens-là pour la remettre par ici. Je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais au moins je l'aurais fait. Du coup, on a dit on voudrait... Et j'ai l'impression que c'est pas le plus pertinent du coup, parce que je peux pas remonter mon bleu. Comme ça ne marche pas. Ce qui était à peu près logique, hein, mais je préfère m'en assurer. Ça, on a déjà fait. Et je pense pas qu'on puisse modifier les choses. Ça me paraîtrait un petit peu... Là, je peux l'envoyer comme ça, sauf que du coup, ça m'arrange absolument pas. Et là, je l'envoie comme ça sur celui-là, et ça comme ça. Sauf que du coup, j'ai quand même quelque chose qui coince.
J'ai quand même quelque chose qui coince. Et si je replie ici? Là, je me fais une boucle. Une boucle plus ou moins temporelle, on va dire. Ah oui, en fait, ça m'arrange qu'à moitié d'avoir déplacé cette statue. Reprenons. Ici, du coup, je peux plier comme ça, ce qui n'a aucun intérêt. Je peux plier comme ça. Ah! Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Je peux plier comme ça. Ce qui est également beaucoup plus intéressant. Sauf que du coup, j'ai ma statue qui me casse les cacahuètes. Et que je peux amener par là. Mais je vais pas pouvoir la monter en fait. J'aurais bien aimé pouvoir la monter. Parce que là, juste, elle va me gêner. Et c'est tout. Ou alors je la baisse d'un cran. Je peux pas la baisser en étant là. Il faut que je revienne de l'autre côté. Sauf que ça me permet. Ça me permettait de faire ça comme ça et ça comme ça, mais pas de revenir ici. Mais est-ce grave? Oui, parce que je peux quand même pas la baisser. Je peux pas baisser cette statue. Pas du tout. C'est ouf. Je peux pas replier plus, ce qui m'aurait arrangé. Ici, je peux l'emmener là. Et du coup, est-ce que ça me gêne pour ça? Ça me gêne parce que du coup, je n'ai plus rien. Sérieusement, je vais être coincé avec ma statue que je peux pas amener plus loin que ça. Parce que là, c'est la statue qui me gêne. Hein. Rien d'autre. Et je peux pas replier parce que si je replie, eh ben, la statue nous gêne. De nouveau! Ouais. Après, est-ce que c'était la meilleure des solutions? Oui, sans doute, parce que du coup, ça repart plutôt bien ici. Mais par contre, peut-être... est-ce que je peux la refaire repartir par là? Pas vraiment. Scrognonieux de statue. Scrognonieux de scrognonieux. Parce que là, il faut juste que je trouve où déplacer cette statue. En l'occurrence ici, là, je la veux là, ma statue.
Ah, si, voilà, ça c'est pas mal. Voilà, avec la hauteur, on devrait pouvoir la... Je peux pas la baisser, je peux que la pousser. Sérieusement. Sérieusement, sérieusement. J'ai aucun moyen de faire descendre cette statue. On me troll. C'est pas possible. On vient de par là. Ok. Ça, je le plie comme ça. Et ma statue? Je souhaite m'en débarrasser, s'il vous plaît. Ben, je vais la pousser. Je peux la pousser. Je peux la pousser, mais on a dit que de toute façon, ça m'arrangeait pas plus que ça de la pousser au final. Parce que je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas la monter plus. Je peux pas la monter plus, mais. Est-ce que je peux la. La. Aller la chercher de l'autre côté. On peut aller la chercher de l'autre côté. Voilà, on peut aller la chercher de l'autre côté. Je veux aller là. De l'autre côté. Parce qu'on a vu qu'on allait plus ou moins pas se servir de ce milieu-là. Donc je peux tout à fait faire ça. Voilà. Là, la statue, elle devrait absolument plus me gêner. Et je peux revenir. T'étais pas obligé de passer par là, cocotte. Il y avait tout le chemin que tu voulais de celui-là. Donc, hop, ici, on plie, ici, on plie dans l'autre sens, on arrive ici, et voilà. Il n'y a plus qu'à retourner ici. Ça m'aura quand même pris un petit bout de temps pour trouver l'astuce. D'accord, tu m'as eu, je n'irai nulle part. Je vais rendre ces culottes à la dame. Mon héroïne! Vous lui avez montré, elle se voit rien! Maintenant, entrons dans l'université. N'est-il pas temps que vous vous y inscriviez? After a long journey from Southfold to the big city, I'd finally made it to university. Just in time for my first day. Too tired to fully unpack, I lay on the bed to rest my eyes. Suddenly, my alarm woke me with a start. It was already morning, and lectures were starting any minute. I got up and rushed to class. The halls were full of new students, all nervously excited for their first day. Comme ça. The lecture hall was so big, and you'd never guess who my professor was.
Je l'ai pas validé. Comme ça, voilà. I got lost in my studies, and before I knew it, years had passed. Between assignments, I wrote home, but could tell my parents were still upset I'd left. And then, the big graduation day came. I'd passed with distinction. Diploma in hand, I looked out into the crowd, and I saw Mom and Dad. We talked for hours. They were sorry that they were so strict after Oscar disappeared, and sad I was going to live so far away. I told them I'm not as far away as they think. Quick fold in space and time, and I'd be home. They looked at me confused. I'll visit soon, I said. Oh ouais, c'est la justicière! J'ai volé aucun sous-vêtement, je le promets! Oh, très cher, je serais tellement triste de vous voir partir. Félicitations pour votre diplôme, n'hésitez pas à nous rendre visite. Oh. Oui, tu rentres à la maison? Moi, encore perdu? Haha, pas aujourd'hui. Je prends juste un bain et je chante une chanson. Qu'allons-nous faire d'un marin ivre? Oh, ouah, ce n'est que toi! Je pensais que c'était encore mon mari. N'arrête pas de chanter des chansons de marin. C'est toi. Où sont partis les autres? Hey, comment c'était la fichue université? T'as appris un tas de trucs super? Ouais, comme les mathématiques vectorielles? Oh! Bon, ta divine, Paige, comment se sont passées tes études? Après ton départ, je me suis perdue. Des serpents, pourquoi fallait-il que ce soit des serpents? Et... Hé, hey, elle est de retour! T'as apporté des feux d'artifice? Pas de feu d'artifice. Ah, oh, j'avais pas fait gaffe, ils sont volés. Ah. Oh. Les dessins sont vraiment très beaux. Je fais demi-tour parce que du coup, je les ai pas regardés. Et la chanson aussi, la chanson qui est en arrière-fond, elle est magnifique. Hé, hey, tu viens nous manquer le festival! Nous avons un gardien du feu désormais. C'était beaucoup plus sûr, nous n'avons que de quelques feux de broussailles à déplorer. Une petite flasque de thé de grenouille pour la route, cela te plairait? Ah non, toujours pas, hein. Je veux toujours pas de la grenouille. Non mais c'est une marnaquille avec votre grenouille. C'est toi! Tu as fait une sacrée chute!
Je n'étais pas sûre de te revoir un jour. L'oiseau, oui, nous sommes devenus amis. N'est pas si méchant. Avec les petites villes. Qui a fait peur aux grenouilles? Oh non, la fille est de retour. Paige, j'ai ta lettre. Je n'ai pas réussi à retrouver mon chemin, prends-la. Et du coup, il y a tout le monde. Chut, elle arrive! Surprise! Surprise, je suppose. Bienvenue chez toi, petite friponne. Ta chambre est restée exactement comme tu l'aimes. Oui, une vraie décharge. Entre, viens te réchauffer. Voilà donc ce qui clôt eh ben, cette série. Alors je sais que pour ceux qui cherchent le 100%, il me manque un origami sur la maison, tout simplement. Je m'en excuse, je pensais qu'on pourrait l'avoir à la fin. Alors peut-être qu'on pourra l'avoir après le générique. Mais bon, je vais le passer, tout simplement. Et on va voir ça tout de suite. Où est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on arrive chez soi? On arrive bien chez soi, donc effectivement. Je vais voir si on peut choper cet origami qui nous manque. Ici, on a le cerf. Alors, je ne vois point d'origami de ce côté. Je ne vois point d'origami de ce côté. Et il y a un origami de ce côté. C'est parfait. Comment j'y vais? Il est là. Je vais aller de ce côté. Je pense qu'on va pouvoir peut-être plier comme ça, plier comme ça, plier comment? Plier, ça c'est sûr. Si je plie comme ça, alors il me manque juste un tout petit chou. Est-ce que je peux plier un peu plus? Est-ce que je peux avancer un peu plus? Non! Est-ce que un pliage comme ça a un intérêt? Pas du tout. On va revenir comme ça du coup. Je vais faire l'inverse, je vais me mettre au tout bord ici. Est-ce que je peux l'atteindre? Presque, mais pas tout à fait. Est-ce que je peux pas bouger Page quand on bouge Page, on est d'accord. Ce qui veut dire qu'il me manque tellement pas grand chose. Il faudrait pouvoir arriver sur l'arbre. Ce qui est en fait possible, puisqu'on va pouvoir faire ça comme ça. Donc on passe ici. Avec Page. Hop. On plie le haut pour arriver là.
on récupère notre origami. Voilà. On a obtenu tous les origamis. Du coup, je sais qu'il reste des succès cachés. Mais comme ils sont cachés, eh ben, je pense que, vu que c'était mon premier run, je me suis déjà super contente d'avoir trouvé tous les origamis et d'être arrivée au bout du jeu. Et du coup, eh ben, merci à tous d'avoir suivi cette série jusque-là, d'avoir parpoté, d'avoir mis des petits pouces, mis des petits commentaires. Moi, ça me fait énormément plaisir de partager ce genre de petits jeux avec vous. Alors, je vous dis un énorme merci et à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye !